l'actualité, le président kényan Uhuru Kenyatta n'ira pas devant la Cour pénale internationale, en tout cas pas avant la fin de son mandat. C'est une des décisions de l'Union africaine suite au sommet extraordinaire d'Addis Abeba. Plus que deux jours avant la célébration de la Tabaski 2013, à Boaké, contrairement aux autres années, les sites habituels de vente de moutons ne connaissent pas d'affluence. La cause, le prix trop élevé de la précieuse bête de sacrifice. Et puis côté sport, les éléphants de Côte d'Ivoire tiennent en respect les Lions de la Teranga. Score de la rencontre, 3 buts contre 1 pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Un sommet extraordinaire réuni ce samedi à Addis Abeba a examiné les liens entre l'organisation panafricaine et la CPI. Après sa participation à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce soir aux environs de 20h. Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui assure l'intérim du Premier ministre. Plusieurs autres membres du gouvernement étaient également présents. Dès son arrivée sur le sol ivoirien, le président Alassane Ouattara a dressé le bilan de cette rencontre d'Addis Abeba. Il a informé la presse des grandes décisions du sommet. Le chef de l'État a aussi félicité les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur victoire face au Sénégal. La réunion a été fructueuse et surtout ce qui est important, malgré tout ce qui a été écrit et dit avant le sommet, il y a eu plutôt des points de convergence. Les pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à coopérer avec la Cour pénale internationale. Et bien sûr, nous avons demandé, souhaité que la CPI soit plus attentive aux préoccupations du continent. Notamment, nous avons demandé la suspension des poursuites contre les chefs d'État démocratiquement élus pendant la durée de leur mandat. Ceci se réfère bien évidemment au cas du Kenya. Comme vous le savez, le président et le vice-président ont donc été appelés à comparaître à la CPI alors qu'ils ont une situation difficile à gérer dans leur pays et surtout que ces événements datent il y a plus de 4 ans et que la réconciliation et la paix ont permis des élections démocratiques au Kenya. Donc l'Union africaine va demander à la CPI et au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément d'ailleurs au statut de Rome, à son article 16, de suspendre immédiatement les poursuites à l'encontre des dirigeants du Kenya. Et ceci permettra de préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique, qui est confronté au terrorisme. Nous avons vu récemment l'attentat de Nairobi, l'attaque contre le Westgate Mall, la piraterie maritime et d'autres événements douloureux qui ont secoué cette région de l'Afrique. Alors le sommet, pour ce faire, a approuvé la création d'un groupe de contact pour entreprendre des consultations avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur les 5 pays, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires du traité de Rome. Et donc je pense qu'ils devraient comprendre facilement. Et en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, nous-mêmes nous comptons entreprendre des contacts avec le gouvernement français dans ce sens. Le sommet a également élu à l'unanimité l'ambassadeur Ismaël Chergui de l'Algérie au poste de commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine en remplacement le monsieur Lamamra qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement algérien par le président Bouteflika. Le sommet a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque du Westgate Mall au Kenya et du tragique accident aussi du bateau survenu à Lampedusa en Italie. Et en raison de la récurrence de ces naufrages, le sommet a appelé à une collaboration renforcée avec l'Union européenne en vue de la mise en place d'une réelle politique de développement
d'immigration. L'Ivoirien Laurent Gbagbo a été évoqué au cours de ce sommet extraordinaire. Non, point du tout. Le cas du président du Soudan a été évoqué par de nombreux chefs d'État, puisqu'évidemment, il y a un mandat d'arrêt contre le président Béchir, mais à aucun moment, le cas de l'ancien président ivoirien n'a été évoqué. Monsieur le Président, est-ce que la doléance des chefs d'État de l'Union africaine peuvent s'imposer à la CPI concernant le cas du président kényan et du vice-président kényan? Oui, c'est une bonne question parce que, le traité de Rome tel qu'il est rédigé aujourd'hui s'impose à tous, citoyens ordinaires, comme chef d'État ayant fait un coup d'État ou chef d'État élu démocratiquement. Ce que nous demandons, c'est que le Conseil de sécurité puisse procéder à la suspension de l'application de la poursuite contre ce président et ce vice-président qui sont démocratiquement élus. Et nous demandons que cela soit fait avant la comparution qui est donc demandée au président Kenyatta pour le 12 novembre prochain. Donc nous allons saisir le Conseil de sécurité et comme je le disais tantôt, nous espérons que les membres permanents du Conseil de sécurité vont accéder à cette requête des gouvernants africains. Vous savez, c'est important parce que il y avait eu beaucoup de mouvements dans certains pays pour que les pays africains quittent la CPI en bloc. Cela, bien sûr, n'a pas prospéré. Et je pense qu'il est de l'intérêt de tous de considérer que le Kenya est un pays important. Ces deux chefs d'État ont été élus démocratiquement. Leur pays est dans une région qui est très, très tourmentée, où il y a le terrorisme. Et surtout, ce pays contribue à la stabilité et à la paix dans la Corne de l'Afrique et envoie de nombreux soldats dans plusieurs pays, dont la Somalie. Donc nous avons bon espoir que la cause des chefs d'État sera entendue par le Conseil de sécurité qui donnera instruction en ce moment-là à la Cour pénale internationale. Je voudrais, puisque j'ai été informé de l'avion de la victoire des éléphants 3-1, je voudrais donc les féliciter et leur dire que nous comptons sur eux pour le prochain match et leur qualification pour la Coupe du Monde. Retour sur les grandes décisions de ce sommet extraordinaire d'Addis Abeba et c'est avec Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session extraordinaire à Addis Abeba ont instruit la commission de l'Union africaine d'adresser un courrier à la Cour pénale internationale pour qu'aucun chef d'État et de gouvernement en exercice ne soit amené à se présenter devant cette juridiction. En ce qui concerne les actes d'accusation contre Uhuru Kenyatta et William Ruto, le président et le vice-président élus du Kenya, poursuivis pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007, le sommet a demandé au Kenya d'écrire pour demander à la Cour pénale internationale de différer le procès de ces deux dirigeants pendant la durée de leur mandat. Autre décision de ce sommet extraordinaire, les pays africains signataires du traité de Rome doivent proposer des amendements à ce traité et tout État membre de la CPI pourrait éventuellement demander l'avis de l'Union africaine avant tout transfert d'un individu à la CPI. Les États membres de l'Union africaine devront par ailleurs accélérer la mise en œuvre de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et activer cette juridiction pour qu'elle ait la compétence de juger toute personne qui se serait rendue coupable de crimes graves. La conférence a décidé de l'organisation d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine d'ici à fin novembre pour évaluer la mise en œuvre des décisions arrêtées. En fin de compte, au lieu d'un retrait de la Cour pénale internationale, cette rencontre a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de tracer une nouvelle vision du continent en matière de justice et des droits de l'homme. Ce 15e sommet extraordinaire a aussi vu l'élection de l'ambassadeur algérien Smaïl Cherghi au poste de commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Il remplace son compatriote Ramtane Lamamra, nommé ministre des Affaires étrangères de son pays.
À Boaké, ce sont 5 000 km de route et 4 000 pompes hydrauliques qui vont être réhabilitées. Ces travaux répondent à la préparation de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions du Bekin et du Bélier. Le ministre des Infrastructures économiques s'est rendu sur place pour constater l'avancement des travaux. Ouattara Amadou Traoré Abou. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Kachi, est sur le terrain. La raison, on la connaît. La visite prochaine du chef de l'État Alassane Ouattara dans les régions de Gbeke et du Bélier. Avant cette visite qui débutera le 25 novembre, le ministre Patrick Kachi est donc venu s'imprégner de l'état d'avancement général des travaux dans les différentes localités visitées et s'est rendu sur des sites stratégiques. Il s'agit pour lui de donner un coup d'accélérateur au chantier d'adduction d'eau et de réhabilitation des axes routiers. À Boaké, Patrick Kachi a cependant déploré l'occupation anarchique du domaine public, une situation, dit-il, qu'il faut vite corriger. Le chef d'État va arriver le 25 pour que quand il va prendre cette voie-là et tout le monde avec lui, on ait le sentiment que Boaké est redevenu Boaké. Identifier les occupants anarchiques, tous seront déguerpis sans exception, qui ne sont pas propriétaires d'un titre qui leur confère un droit sur un domaine qui appartient à l'État. Le ministre a en outre précisé que les chantiers des infrastructures routières concernent notamment le reprofilage, le rechargement des routes, l'ouverture des pistes et le bitumage de certains axes principaux. Puis, il a affirmé sa détermination de voir les entreprises respecter le délai de 30 jours pour livrer les travaux. Il faut considérer environ 4 000 pompes manuelles sur l'ensemble des deux régions qui seront entièrement réparées avant la visite du chef de l'État. En ce qui concerne les routes, ces travaux seront achevés. Nous viendrons d'ici un mois faire le point de la situation. C'est environ 5 000 km de routes qui seront reprofilées. Donc c'est vraiment une première et ça va constituer un véritable soulagement pour les populations, non seulement en ce qui concerne l'évacuation de leurs produits, mais la circulation. Dans la région de Gbeke, plusieurs infrastructures socio-économiques attendent d'être inaugurées au cours de cette visite d'État, à savoir l'usine des eaux de la Loka, qui va accroître la capacité de distribution d'eau, et la mise en service du nouveau barque de Béomi. Le deuxième congrès de l'Union pour la démocratie et pour la paix, UDPCI, est en préparation. L'heure est donc au pré-congrès pour une analyse objective des défis à relever par le parti. Le congrès est prévu pour les 13 et 14 décembre prochains à Yamoussoukro, à Boussanogo. Les assises du deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, se tiendront conjointement avec celles des femmes et celles de la jeunesse les 13 et 14 décembre 2013 à Yamoussoukro. En prélude à cet événement, les membres de la direction du parti, du bureau politique, du comité central, les élus, les coordonnateurs se retrouvent à Kambassam dans le cadre d'un pré-congrès autour du thème « Construire une UDPCI forte pour bâtir la nation ». Il s'agit pour eux de se réorganiser pour affronter les défis du futur, notamment la conquête du pouvoir d'État. Il s'agira pour nous de rassembler les matériaux nécessaires à la construction d'un parti fort, à même de nous permettre de réaliser une ambition légitime, l'ambition de conquérir le pouvoir d'État par les urnes. 10 groupes de travail mèneront des réflexions sur les questions liées à la vie de l'UDPCI, mais également de la nation. Ils plancheront sur la politique générale, la démocratie, l'intégration régionale et la coopération, les structures et la vie du parti, les statuts et règlements intérieurs, le processus électoral, la décentralisation, l'économie, la sécurité sociale. Pour le président du parti, toutes les structures de base et les organes sont à renouveler. L'exercice auquel nous allons nous a donné va participer non seulement au respect de nos tests, mais également à la modernisation de notre parti. À l'UDPCI, il n'y a pas de débat tabou. Tout peut se dire, mais avec bon ton. Tout doit se dire entre nous pour que nous évitions de mener nos débats sur la place publique. Le pré-congrès est un forum qui va permettre à une large majorité des responsables de l'UDPCI de s'approprier les conclusions des rapports déposés auprès du comité scientifique. Le pré-congrès de l'UDPCI s'achève ce dimanche.
Une autonomie de gestion et un cadre de gouvernance plus réactif pour l'Office national de l'assainissement et du drainage. Cette action du ministère de la Construction vise à faciliter l'accès des populations à un assainissement adéquat. Estelle Proux, Grâce Kando. De plus en plus à Abidjan, les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'assainissement. Un fait qui s'explique parfois par les caniveaux bouchés et qui crée de nombreux désagréments. L'eau sale a plus le pas, surtout sur les caniveaux. C'est extrêmement sale. Ça engendre les maladies. Et les maladies diarrhées, c'est comme ça qu'on les chope. Les caniveaux ne sont pas entretenus. Trop de moustiques, c'est pas couvert. On ne dort même pas la nuit. Moi-même, je ne dors pas. Tous les jours, je suis là. Pas moustique, je ne peux pas dormir. Pour répondre à toutes ces préoccupations, une structure dénommée Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, vient de voir le jour en remplacement de la direction de l'assainissement et du drainage. L'État a estimé à un moment donné qu'il fallait donc une société d'État, à l'image de l'AGROUT, qui en tout cas opère dans le secteur donc de l'assainissement, pour pouvoir suivre un peu tous les grands chantiers d'assainissement qui sont en cours. Depuis quelque temps, l'ONAD est sur le terrain. Tout est à refaire un peu, en particulier à l'intérieur. Il faut partir des chemins directeurs cohérents, un plan stratégique national et puis peut-être un code d'assainissement qui n'existe pas. Il sera aussi question d'assurer la qualité en milieu rural pour l'élimination de la pratique de défécation à l'air libre et l'assainissement en milieu urbain avec des programmes de restructuration des zones vulnérables insalubres. Assemblée générale extraordinaire des éducateurs préscolaires ce 12 octobre. Il en ressort la suspension du mot d'ordre de grève et donc la reprise des cours dès ce lundi 14 octobre à partir de 7h30. Cette décision fait suite à des concertations avec le ministre de tutelle. Éducateurs préscolaires et éducateurs préscolaires adjoints présents ont statué sur les différents points qui ont fait l'objet du boycott des cours du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2013 dans les centres de protection de la petite enfance et les centres d'action communautaire pour l'enfance, à savoir l'indemnité contributive au logement des éducateurs préscolaires adjoints, la constitution du corps initial des conseils d'éducation préscolaire des grades A3, les directives de la rentrée scolaire 2013-2014. Après échange avec Madame la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Anne-Désirée Ouloto, les points d'accord suivants ont été obtenus. Sur la question du paiement de l'indemnité contributive au logement en faveur des éducateurs préscolaires adjoints, Madame la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de faire une communication au prochain Conseil des ministres pour le règlement de cette question. Pour ce qui est de la constitution du corps initial des conseils d'éducation préscolaire des grades A3, Madame la ministre a mis en place une commission composée des membres du cabinet et des deux leaders syndicaux pour sa mise en œuvre effective. En ce qui concerne les directives de la rentrée scolaire 2013-2014, les clarifications apportées par Madame la ministre et les échanges qui ont suivi avec les leaders syndicaux vont permettre leur mise en œuvre aisée sur le terrain. Au regard de tout ce qui précède, le collectif des syndicats décide ce qui suit. La levée du mot d'ordre de boycott des cours dans les centres d'éducation préscolaire et dans les centres d'action communautaire pour l'enfance de Côte d'Ivoire à compter de ce jour. La reprise effective des cours à partir de ce lundi 14 octobre à 7h30. Le report du dépôt du préavis de grève fait à Abidjan le 12 octobre 2013 pour le collectif, le Cinépréci, le secrétaire général, le Bignabo Augustin, pour le Motrasassi, le secrétaire général, Gwessé Diomandé. Un millier de kits scolaires offerts aux enfants de Bangolo. La délégation départementale du RDR entend aussi venir en aide aux parents démunis de la localité. Jeanne Atoubé. Une rentrée scolaire bien studieuse et sans doute aussi sous de heureux auspices pour les élèves du primaire du département de Bangolo. Ils viennent de recevoir du Rassemblement des Républicains de cette partie de la région du Guémont un don de près de 1000 kits scolaires, essentiellement composé de lots de cahiers et d'ensembles de mathématiques. Un acte selon Teflon Achi, donateur et militant RDR de Bangolo, participe de la philosophie et des valeurs du RDR. Nos parents qui sont au village ont beaucoup plus de problèmes que nous autres. Parce que nous, on a un salaire à la fin du mois.
eux, ils n'ont pas de salaire. Nous pouvons aller à la banque prendre un crédit, mais eux, on ne peut pas leur donner de crédit. Donc, ils attendent la vente de leur café et cacao pour pouvoir scolariser leurs enfants. Si ce don en kit scolaire peut soulager les parents d'élèves du département de Bangalore encore souffrant des stigmates de la crise, le geste est fortement apprécié par la ministre de l'Éducation nationale, la Kandia Camara. Son représentant à la cérémonie, Adama Koulibaly, l'a dit, responsable local du RDR à Bangalore. Ce parti, engagé dans un élan de progression dans le Guémon, s'est doté d'un siège, lequel siège a été inauguré en marge de la cérémonie de remise de kits scolaires. Plus de 400 Ivoiriens réfugiés au Libéria ont foulé de nouveau le sol ivoirien après plusieurs années. Ils sont arrivés dans le département de Tabou et cela grâce à une opération de retour volontaire organisée par le Haut Commissariat d'aide aux réfugiés HCR. Thérèse Tapeyoboy. Ce convoi en provenance des régions du Maryland, du Riverdi et du camp des réfugiés de Little Walbo au Libéria comprend 489 réfugiés ivoiriens. J'étais trop un peu gêné parce que bon, c'est mon pays et puis parler ma soeur au Libéria, vraiment, j'étais pas content. Donc je dis, je suis en joie avec mes familles. Je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis dans moi, mon propre pays. Depuis autant de guerres, j'étais au Libéria. C'est le 17e convoi que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR de Tabou, organise depuis le début de l'opération de retour volontaire en 2012. Ce convoi porte à 3093 le nombre total de retournés ivoiriens qui sont issus de 766 familles. Les réfugiés ont traversé le fleuve Kavali à bord du bac du HCR et atterri d'abord dans le village frontalier de Prolo avant d'arriver au centre de transit de la ville de Tabou où ils ont été accueillis par les autorités administratives et politiques locales. Ces réfugiés ont été invités à s'engager dans le processus de réconciliation nationale pour participer activement à la reconstruction et au développement harmonieux du département de Tabou. Selon les statistiques du HCR, plus de 50 000 réfugiés ivoiriens sont encore au Libéria voisin. La sensibilisation continue auprès de ces Ivoiriens afin qu'ils viennent reprendre leur place dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des opérations chirurgicales gratuites de la cataracte ont marqué la Journée mondiale de la santé de la vue en Côte d'Ivoire. La ville de Toumaudi a abrité la célébration officielle autour du thème « Bien prendre soin de ses yeux ». Alexis Ouedraogo pour le reportage. Quatre années privées de sa vue, Kwame Sylvie souffrait de cataracte. Il y a à peine trois jours, coup de chance, un appel de l'hôpital général de la ville de Toumaudi où elle réside. Une opération gratuite de chirurgie oculaire est lancée par le ministère ivoirien de la Santé. On dit, gouvernement vient opérer les gens gratuits. Avant qu'on m'appelle au téléphone, on dit, il faut venir qu'on arrive. C'est ça, je suis venu. Lundi, on m'a opéré le même jour, lundi là. On a opéré mes yeux là, on a enlevé cataracte là. Vous jetez. Le lendemain, je suis venu, j'ai enlevé pas ce mal-là. Ça, mon nez droite là, je vois. L'initiative qui a permis d'opérer près d'une soixantaine de personnes s'inscrit dans le programme déroulé autour de la Journée mondiale de la santé oculaire. Nous voulons sensibiliser et amener la population à s'occuper de leur santé oculaire. La prévalence de la cécité en Côte d'Ivoire représente 1,5% de la population générale. En Côte d'Ivoire, une personne sur 10 souffre de cécité et une grande partie de la population connaît des troubles oculaires. Face à cette situation, les experts sensibilisent. Il faut avoir une consultation régulière de façon à dépister en amont l'ensemble des pathologies oculaires qu'on pourrait avoir, évitant donc dans ce cas toutes les complications, tous les cas graves qui pourraient aboutir à la cécité. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. La Journée internationale de la santé oculaire le rappelle aux malades en exhortant les bien portants à la prévention. À seulement deux jours de la fête de la Tabaski 2013, pas d'affluence sur les sites de vente de bétail à Boaké. Les clients traînent encore les pas face au coût élevé des moutons. Ouattara Djeneba et Kwadio Kwame. À cinq jours de la fête de la Tabaski, les musulmans sont à la recherche du mouton le moins cher. Dans les points de vente du bétail,
notamment sur le site traditionnel de Sakabo à Bouaké Dar es Salaam, ce n'est pas la grande affluence. Les vendeurs de moutons se tournent encore les pouces. Les clients viennent un peu. On se débrouille ici, on se débrouille pas mal. Bon, ce qui est sûr, comme pour le moment, la fête n'est pas encore arrivée là. Bon, le marché est là un peu, quoi. Voilà. Mais grâce à Dieu, on est là en train de vendre un. Moi ici, commence à 80 000, 85 000, jusqu'à 150 000, tu peux trouver un mouton chez moi. Compte tenu des difficultés financières, les clients, eux, viennent s'enquérir des prix des bêtes pour mieux se préparer. Bon, moi, je suis venu en inspection d'abord pour voir le prix des moutons. Je vais me préparer en fonction et puis je viens. Bon, on a demandé un mouton, on m'a dit à 180 000. Bon, on est en train de discuter pour voir. Autour des points de vente, il s'est développé plusieurs petits commerces, dont la vente d'herbes pour alimenter le bétail et un trafic des motos tricycles, des activités lucratives en cette période des préparatifs de la fête. Ça va un peu. Chacun arrive au moins à s'en tirer un peu. Comme je ne travaille pas, là je suis venu pour vendre les herbes pour pouvoir nourrir mes enfants. Si ça marche, je peux avoir au moins 2000 ou bien 2500. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est célébrée 2 mois et 10 jours après le ramadan. Elle exige des musulmans qui disposent de moyens financiers d'offrir un mouton en sacrifice pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham à Allah. Bella Mundo, c'est le nom de cet orchestre typiquement féminin qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. De la batterie au micro, en passant par la guitare et le piano, elles sont maîtresses de leur art et c'est une première en Côte d'Ivoire. Serge Gangoma, Abou Sanogo. Fondé en 2007, l'orchestre Bella Mundo est le premier orchestre ivoirien constitué uniquement de jeunes filles. Au nombre d'une dizaine, ces filles ont pour spécialité le live. Une forme de prestation à travers laquelle elles font couler du sensationnel musical. La voix suave, les chanteuses du groupe Nadine Levy, Viviane Makado, Josiane Labi et Mimi Barry offrent aux mélomanes des moments acoustiques passionnants. Ce cocktail de voix succulente est embelli par le doigté magique de la bassiste Prisca Alou, de la percussionniste Mati, de la guitariste solo Blake Rotid, de la pianiste Blawanadej et de la batteuse Simeon Karité. En plus de jouer des morceaux qu'elle compose, ses filles interprètent des morceaux de tous les genres. Surtout lorsqu'elles sont sollicitées pour des cérémonies. L'orchestre Bella Mundo est managé par Serge Dominique Taï et les filles sont encadrées au plan artistique par Jacques Nangui. Le travail des filles de Bella Mundo est suivi de près par les professionnels des médias. Ces derniers sont unanimes. Bella Mundo est l'espoir de la musique ivoirienne et de la musique africaine. Le talent de l'orchestre est également reconnu par des producteurs au plan international. Bella Mundo a été invitée en 2012 au Festival Antillance en Belgique et aussi au Festival des Arts Nègres de Dakar au Sénégal. L'orchestre Bella Mundo veut se positionner comme un digne représentant de la Côte d'Ivoire. Football à présent, Côte d'Ivoire-Sénégal ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les éléphants se sont imposés sur un score de 3-1. Odalegbe. Tout est allé très vite dans ce premier face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal. 3 minutes à peine après le coup d'envoi, Gervinho est déséquilibré dans la surface de réparation sénégalaise. Le pénalty indiscutable est transformé sans trembler par Didier Drogba. À la 15e, les éléphants développent une offensive sur le côté droit de la défense des Guindés. La passe précise de Kalou trouve Gervinho qui veut servir Drogba. C'est un défenseur sénégalais qui marque contre son camp. En seconde période, la Côte d'Ivoire va inscrire un 3e but, œuvre de Salomon Kalou sur service de Gervinho. Les éléphants n'aiment pas les situations faciles et concèdent dans l'ultime minute 1 but. Histoire de créer un peu de suspense avant la dernière manche dans un mois à Casablanca. Voilà, ces images de la victoire des éléphants mettent fin à ce 23h. Excellent week-end à vous sur RTI 1.